Bonjour, veuillez excuser mon approche sans tambour ni trompette. C'est que je suis fatiguée d'être en état de survie parce que, comme j'ai expliqué précédemment, j'ai vécu le stigmatisme social et le trauma d'avoir perdu ma mère, qui fut complètement détruite en centre psychiatrique. Donc, ce n'est pas un message préparé. Comme d'habitude, je prépare jamais mes messages parce que j'ai tout simplement pas l'énergie pour le faire. Alors, j'y vais directement. Cette idée, c'est d'inviter ceux qui ont eu un être cher, dont cet être cher-là a été systématiquement détruit au centre hospitalier Robert-Giffard, autrefois appelé l'asile Saint-Michel-Archange, que l'on fasse un recours collectif. Alors, je ne suis certainement pas la seule dans la province de Québec dans cette situation-là, où est-ce que j'en ai beaucoup souffert. Et ma mère faisait pas partie des orphelins de Duplessis. Donc, on ne peut pas joindre le recours collectif des orphelins de Duplessis. Je suis consciente que même eux, ils en arrachent pour obtenir justice. Alors, c'est une des raisons pourquoi, en fait, c'est certain que je peux pas poursuivre seule. J'en ai pas les finances. Et je suis pas certaine que j'en ai la santé non plus. C'est relié. Mais c'est ça. Alors, je veux pas donner de faux espoirs. Je suis pas en train de dire là, que je pense que là c'est ça. Mais à rien faire, c'est certain que. Tu sais, je veux dire, moi, je suis tannée de vivre la stigmatisation. Je veux sortir de l'ombre. Puis c'est la façon de procéder, de proposer que l'on fasse un recours collectif. Alors, simplement me laisser savoir en cliquant le pouce du haut et en communiquant avec moi personnellement. C'est ça, via ma chaîne. Puis, c'est ça. Fait que j'ai tenté de voir s'il n'y avait pas déjà un recours collectif de fait. Il semble que non. Encore une fois, je comprends que il faudrait être assez de personnes pour que on ait un résultat. Pas juste une, deux ou trois personnes, je crois, qui vont faire la différence. Parce que regardez, les orphelins de Duplessis, c'est un groupe organisé, ils sont plusieurs. Puis, au moins, ils sont entendus, tu sais, je veux dire, par la population générale. Je pense que c'est là qu'ils gagnent le plus d'avoir parlé de ce qu'ils ont vécu. Je crois pas qu'ils obtiennent vraiment de justice de la part des instances qui sont impliquées, et dont, bien entendu, le centre hospitalier Robert-Giffard. Mais par contre, je vois que vraiment la population québécoise est sensibilisée à ce qu'ils ont vécu
Alors, je pense que c'est vraiment là qu'ils ont gagné à sortir de l'ombre. C'est vraiment à ce niveau-là. Alors, je pense que ce serait basé sur leur expérience. Je pense que ce serait à ce niveau-là, surtout, que l'on y gagnerait quelque chose. Et cesser d'être comme des fantômes dans ce monde-ci. Ma mère, elle a subi une lobotomie chimique avec la tonne de médicaments qu'ils lui ont donnés au cours des années. Quant à moi, j'ai subi une stigmatisation en subissant, oui, en subissant cette lobotomie chimique. Ma mère est devenue végétative. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et moi, bien, je suis un fantôme depuis que j'existe dans cette incarnation. Et je crois que je suis sincèrement tannée d'être un fantôme. Si tu veux me contacter, t'es le ou la bienvenue. Pas nécessairement pour joindre ce recours collectif, mais évidemment que ça serait bon de faire cette tentative-là pour au moins être entendu parce que. Vois-tu, j'ai même pas 70 subscribers sur ma chaîne. C'est pas ma seule chaîne, je vais te dire. C'est ma dernière chaîne. Et qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Moi, la spécialité de ma chaîne, c'est que je suis pas en collaboration avec en fin de compte, il y a un paravent qui est utilisé par l'Église de Scientologie. J'ai pas le nom présentement, mais j'en parle beaucoup sur ma chaîne, fait que tu peux pas le manquer, là. Fait que moi, je suis, de toute façon, dans la description de ma chaîne, c'est clair que je suis pas avec ce paravent-là de ce paravent-là qui est utilisé par l'Église de Scientologie. Parce que eux autres, ils sont contre aussi que les personnes obtiennent de l'aide, bien entendu, parce qu'ils veulent avoir des recrues dans leur culte. Et moi, ben, la particularité de ma chaîne, c'est qu'elle est indépendante et qu'elle dénonce ça aussi. Alors, c'est cela. Merci pour ton écoute et c'est pas à rien faire que on va voir des résultats. Soit dit en passant, j'ai été formée comme psychologue et j'ai pratiqué pendant un an dans le milieu scolaire, mais j'ai rapidement réalisé que on éteignait des feux. Et c'était pas la raison pourquoi j'avais été chercher une maîtrise. Je voulais sincèrement aider les enfants et non être occupée à monter des dossiers puis à les rencontrer sur le tas parce que les psychologues scolaires, ils ont 5 écoles par semaine à s'occuper. Donc, c'est plus une fonction de pompier, si je peux le caricaturer, plutôt que une fonction de psychologue, et moi ça me plaisait pas du tout. Alors voilà, en te remerciant de ton écoute.